Monsieur Moutis, venez à là-bas. Le vol d'un lance-roquette anti-char RGP-7 et de trois roquettes au site pétrolier de la SNPC en Koundi le 1er novembre 2015 et l'atteinte à la sûreté de l'État, deux chefs d'accusation pour lesquels le sergent Moutis Guy Berlin-Alphonse a été jugé le lundi 10 et mardi 11 août 2020 à la cour d'appel de Pointe-Noire. L'accusé aurait reçu le 28 octobre de la même année de feu commandant Babissat l'information qu'il enverrait des gens aller chercher cette arme. Trois jours plus tard, le sergent à la barre aurait été braqué par un commando en l'absence de ses frères d'armes. Ayant fait la rétention de ces informations, serait de mèche avec les commanditaires. Par ces motifs, statuant publiquement, contradictoirement en matière criminelle, en premier et dernier ressort, sur l'action publique, déclare l'accusé Moutis Guy Berlin-Alphonse coupable des faits mis à sa charge. En répression, lui faisant application de la loi, le condamne à la peine de 8 ans de travaux forcés. Maintient le mandat de dépôt décerné à son encontre. Sur les intérêts civils, déclare l'État congolais recevable et fondé en sa constitution de parti civil et fait droit. Condamne en conséquence Moutis Guy Berlin-Alphonse à payer à l'État congolais la somme de 1 500 000 francs CFA à titre de dommages et intérêts. Débourse l'État congolais du supplice de sa demande. Fixe la durée de la contrainte par corps à 3 mois pour le recouvrement des dommages intérêts et les frais de justice. Le tout en application des articles 87, 88, 89, 379 et 401 du Code pénal. Maître Moussounda Belle Espérance, qui a assuré sa défense, pense que la procédure n'a pas été respectée. Mon client a fait 3 ans et 6 mois dans un camp militaire, ce qui n'est pas normal. Je suis très heureux au moins qu'il soit passé devant le tribunal parce que les faits qui se sont déroulés depuis le 1er novembre 2015 et le jugement a eu lieu en 2020 et il est parti à la maison d'arrêt en 2019. Pour moi, je me dis c'est pas du tout bien. Il faudrait peut-être qu'à l'avenir, au niveau de l'armée, qu'ils pensent au moins régulariser les choses arrivent vite parce que dans la procédure, M. Babissat n'était pas là et on a jugé sans sa présence. Je me dis, est-ce que le principe du contradictoire a été respecté? À mon avis, pas du tout. Cette arme de destruction massive n'aurait jamais été retrouvée. Le coupable qui va poursuivre sa peine à la maison d'arrêt de Pointe-Noire n'a que 3 jours pour pourvoir en cassation.